What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais déjà parlé. On va jouer en live en PVP, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et on va pas jouer avec n'importe quelle arme, on va jouer avec des armes que j'ai été lootées. Donc j'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours en prison des vétérans level 28. Tout simplement parce qu'on peut looter des armes qu'on peut reforger. C'est là que tout l'intérêt est de ces armes. Et du coup ces armes c'est tout simplement des armes de Nir de la Reine. Donc vous les connaissez, vous avez sûrement déjà vu. Sa bienveillance qui est réputée comme étant un des meilleurs snipers du jeu, voilà. Je vais jouer également avec sacrément sa revolver, donc j'ai également la noblesse de Yiji, l'impulsion, le fusil automatique, donc en fonction des maps, je vais switcher à la principale. Pour l'instant, je vais rester avec sacrément, et j'ai également la batteuse, la fléau des loups. Donc comme je vous l'ai dit, on peut reforger ses armes. Pour ceux qui n'étaient pas là au début du jeu, qui sont arrivés récemment sur Destiny, reforger, c'est tout simplement la possibilité d'aller chez l'armurier, et de, en fait, contre quelques lumens, des pièces d'armes et des particules de lumière, vous pouvez changer les perks de votre arme. Donc en fait, c'est des perks aléatoires qui vont retomber jusqu'à ce que vous tombiez sur les bonnes perks. Donc là, par exemple, moi, pour sacrément, j'ai eu balle chanceuse avec canon à rayures. Bon, après, j'ai eu plénitude, ça, je m'en fous un petit peu. J'ai reforgé pas mal de fois, j'ai jamais eu un bon rôle. Du coup, bon, j'ai gardé sa plénitude, sachant qu'on peut pas avoir télémètre sur sacrément. Voilà, donc là, franchement, le rôle est plutôt pas mal. J'ai tir parfait en plus, voilà, cette arme, elle est vraiment assez efficace. Sa bienveillance, on va en parler. Pour moi, franchement, c'est le sniper que je préfère dans le jeu. Alors j'ai instantané pour viser plus vite. Bonus de performance, en fait quand vous faites des frags, vous pouvez récupérer des munitions dans votre chargeur. Et ça c'est pas négligeable aujourd'hui où les munitions vertes ont complètement disparu sur les snipers, les pompes et les fusions lorsque vous mourrez. Et on a également troisième main qui améliore l'acquisition de cible. Voilà, avec le petit coup d'œil SLH10, c'est vraiment ma lunette préférée. Du coup franchement pour moi c'est le god roll. Sa bienveillance pour moi c'est le god roll, en tout cas c'est mon god roll à moi. Voilà, je suis assez content de ce sniper, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite je vais jouer avec la fléau des loups. Voilà, alors je vais vous montrer également noblesse du IJ, vous voyez, donc bon, celle-là j'ai fait 2-3 reforges, j'ai eu petit calibre, troisième main et balle chanceuse, c'est plutôt pas mal, on a une balle dans le chargeur qui fait beaucoup plus mal et sur un fusil d'éclaireur c'est pas négligeable, surtout qu'avec petit calibre je passe, vous voyez, regardez, de 13 balles à 11 balles dans le chargeur, donc voilà, après au niveau de la cadence, j'aime pas trop, je suis pas trop fan, mais bon, c'est pas grave, on va jouer avec ça. Alors pour pas vous mentir, je vais pour vous dire la vérité, hein. J'ai essayé de faire cette vidéo 2-3 fois, je tombe que dans des parties à base de collantes, à base de vexateurs, voilà, c'est horrible à jouer le PVP. Pour moi, le PVP n'a jamais été aussi mauvais qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, le PVP pour moi est complètement flingué, j'ai hâte que Destiny 2 sorte, mais bon, j'aime Destiny et franchement, je joue qu'au PVP, le pire c'est que je joue quasiment qu'en PVP en ce moment, en tout cas, voilà. Alors, vous avez vu le niveau de ces armes aussi, 160, 170, voilà, c'est 170 maximum si vous avez lumière éthérique, et du coup, vous allez me dire, oui, on monte pas au niveau, bah non, on monte pas au niveau, du coup je suis bloqué à 314 de lumière. C'est pourquoi je ne vais pas faire de bannière et c'est pourquoi ces armes ne peuvent pas non plus être utilisées en Osiris, puisque ça va vous faire baisser votre niveau de lumière. Même si vous en mettez une, admettons, ouais, 372, c'est un petit peu juste. Du coup, c'est vrai que voilà, jouer avec ces armes en Osiris, clairement non. Après, là, on va partir en domination. Alors, parce qu'en fait, les autres modes de jeu, défense, ça va pas bouger, élimination, non, carnage, ouais, non. Donc, je vais partir en domination, franchement, j'espère tomber dans des bonnes parties, mais je rêve un petit peu, je crois, parce que les grenades collantes, tout le monde s'en plaint des grenades collantes, hein. Tout le monde s'en plaint, mais tout le monde joue avec, c'est un truc de fou, double grenade collante et allez, enfin, voilà. Donc, moi, je joue en bombe Nova, je vous l'ai pas dit, je joue en bombe Nova, voilà, donc avec les petits gantelets, aspect ophidien, voilà, ma petite grenade, tranquille, il n'y a pas de collante, et puis on va essayer de jouer un petit peu comme ça, et on espère tomber sur une bonne partie. Allez, je vais couper, on se retrouve dès que la partie se lance, à tout de suite. Il est calibré, mon petit loup, 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 mon petit loup. Bon allez, c'est parti, on est sur la cour de la veuve. Alors cette map, à la limite, ouais, c'est pas trop trop mal. On va voir comment ça se déroule en début de partie. On connaît l'outil pré-shoot ici. Personne, pas une tête qui passe. Bon, on va aller sur B, on va aller sur B, on va aller jouer B. Y'a personne qui y va dans mon équipe là. Allez, je suis en solo, hein, je l'ai pas dit, je suis en solo, voilà. Comme d'habitude, je vais vous mettre les meilleurs moments des parties. Et puis, on va essayer de faire ça, je vais aller t'aider mon petit pote. Vous avez capturé la zone B. Ne néglige pas mon fusil impulsion. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je joue mon fusil impulsion aussi, Saint-Brush, je me retourne. On scope. Et on le tue. C'est ça qu'on veut voir, mon pote. Oh, je meurs pas, je ne m'avoue pas vaincu. Il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. C'est sûr, je le sais, je l'ai vu. Hop, on l'a eu.
On continue, il y en a en bas, il y en a là-bas. Hop, ça a passé par-dessus là, ça a passé par-dessus. Oh, on l'a pas eu. Encore une balle. Ah, dommage, dommage. C'était bon. Bon, on a bien commencé. Cette map elle est pas trop mal. Franchement, ça commence mieux que les parties précédentes. Bon, apparemment, il y a déjà un mec qui fait du sale en face. Bon, allez. Oh, ça nous rush en folie. Il faut que je me casse. Je me casse. Je ne donne pas mon cul. Je ne vous donnerai pas mon cul. Non, je dis non. Je dis non. Je dis non. Je t'ai eu, je m'en fous. Eh, le mec, je ne donnerai pas mon cul, je l'ai dit. Bâtard, putain. Oh, le mec, il a pas pris ma Nova. Je dis, ah, j'ai fait de la merde, je me suis précipité. Bon, allez, on va prendre C là. Ça pue la défaite, hein, cette map là. Oh là là, on se fait défoncer. On avance sur B, on avance sur B. Allez. On prend B, on prend B, on prend B, on prend B. Honnêtement, on lance la petite grenade là-bas si jamais ils viennent pour les embêter. Ça vient pas, ok. Et toi, t'as cru que. T'as cru que quoi perdu. On prend B, on prend B, allez, on prend B. Va le tuer, va le tuer, va le tuer, je prends B. Voilà, bien joué, bien joué. Donne pas ta peau non plus. Vous avez capturé. Voilà, les amis, allez. Les putain, il faut qu'on prenne d'autres points là. On est 5, ouais, mais les mecs ils quittent. Depuis tout à l'heure ça me fait ça, les mecs ils quittent tout le temps, de toute façon c'est un délire. Voilà, on va essayer de vous montrer un peu la batteuse, ça tombe bien qu'il est l'autre qui spawn. Eh, regarde ça, j'ai aucun. On a aucun point. L'ennemi a pris la zone B. Ouais. Il est fou. Dommage. Bon, j'en aurais au moins tué un. Bon, vous avez pu voir vite fait la batteuse, franchement. Normalement, elle tue assez rapidement les mecs. Putain, là, on se fait complètement, mais littéralement, si on prend pas une clémence, c'est parfait. Ça a une petite clémence en vidéo, y'a rien de mieux. Oh, attends, je suis désolé, là, je dois plus être dedans. Ouais, voilà. C'est quoi cette grenade? Oh là 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 là, trop de grenades! Meurs, s'il te plaît. Dommage, trop de grenades, beaucoup trop. Dans Destiny 2, ça va être vraiment kiffant parce que les grenades elles mettent plus de temps à se récupérer. Il y en a qui vont être perdus dans le jeu. Tomber dans le vide, tomber dans le vide, vide, tomber dans le. J'essaie de prendre B, j'essaie de faire des captures. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Putain. Oh là oh là, là, magnifique! Magnifique. Un jardinier. Oh là là les gens. La première partie catastrophique. Ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Mais par la suite, non. Par la suite, non, 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 non. Ah, j'ai fait un 11 de ratio. Je pensais que j'aurais fait moins. Ouais, 32 frags. Ouais, il a fait la game, quoi. Zéro capture, vous voyez. Zéro capture, zéro capture. 8 captures. Ça, c'est des mecs immobiles. Ils sont tout le temps au même endroit. Ça fait 32 frags et ça vient de dire après, ouais, regarde, j'ai fait 32 frags. Ouais, mais t'es au fond de ta map. Enfin, peut-être pas qu'il l'a fait, hein, je dis ça, mais ça se trouve, il y jouait. Mais souvent, c'est ça. Bon, alors, attendez, on a pas ouvert le contrat, au fait. Je dis ça, moi, je dis, on va ouvrir le contrat ensemble, mais attendez. Alors, impulsion. Ok, une scie du faucon. J'aime beaucoup la scie du faucon. J'aime beaucoup la scie du faucon. Ok, j'aime beaucoup quand elle a des bonnes perks. Ah oh, ouais, mais là, dommage, il y avait... Ouais, mais non, même pas. Lorsque le tireur est accroupi, ouais. Bah tu resteras accroupi sans moi. Ok, on joue une partie en cours pour la troisième, c'est nickel. Oh bah par contre, attendez, attendez, oh, 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 je me sens perdu là. Putain, là c'est complètement l'inverse de la partie d'avant les gars, on est en train de le rouler dessus. Repasse, repasse, repasse. Zone A perdue. T'as raison, lance ta grenade, on est des bâtards. Allez, salut. Tu tues pas mon collègue. Non! Tu me tues pas non plus. Il va me tuer. Alors attendez, je vais mettre dans un coin, moi. Je veux jouer avec ça, Clémence. C'est ça que je vous ai pas dit. Voilà, c'est ça qu'on veut prendre. Oh! L'aide à la visée, les gars! J'aime pas rejoindre des parties en cours comme ça. T'es pas chaud, tu sais pas trop comment ça joue. Oh, ça arrive sur les lourdes, les gars. Ça rush les lourdes. Derrière toi, Mamène. Ah, s'il m'a collé là, ouais, c'est bon, ça colle pas comme ça. Munition lourde disponible. Allez, ça sort là, ça sort. Oh, il a pris les lourdes.
Dommage, dommage, on avait fait le taf. Ouais, ils ont double lourde là, non? On a les lourdes, vas-y, prends ma main. Bien joué. Ah ouais, il y a un marteau. Il est pour nous, on le défonce. Vas-y, on le fait venir à A. Ah non, mais il est avec nous, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oh, le mec, il est à l'ouest complet. Ok, moi, je me casse. Non! Je croyais que je descendais les marches. Oh là là, le... Oh là. Combien de fois ça m'arrive, des trucs comme ça aussi? Des actions de merde. Zone C neutralisée. Merci. En fait, j'ai rejoint la partie, ça y est, on perd. C'est de ma faute, vous allez dire. Bye bye. Mais. Ah, je croyais que j'allais le tuer. Putain, je me fais défoncer. T'as pris la chanceuse. L'ennemi a pris la zone D. Je crois qu'il y en a un deuxième. Il est derrière moi, surtout le deuxième. Voilà, il était là. Bon, allez. Il est derrière moi. La technique de l'accroupi. Ah, dommage. La bombe Nova, elle est loupée. Putain. Faut que je coupe ça au montage. Oh, on a perdu l'avantage. Attends, mon pote. Mais viens, on va prendre A tous les deux là. Zone B perdue. Ouais, viens. Vous avez neutralisé. Voilà, en prenant la zone. Comme quoi, il faut jouer l'objectif, les gens. Jouer l'objectif, c'est important. Mauvais sort, ouais. Avoir trop de cadence, pas assez d'impact. Bon, franchement, 15 frags, ça va un peu mieux. En plus, j'ai rejoint la partie en cours, le pire. J'ai rejoint en cours, ça. C'est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, on a failli perdre en plus. Bon. Ouais, 20 et 25 frags en face, ils ont fait le taf encore, hein. Putain. Bon, dernière map, les potes. Du coup, le bouclier noir. Alors, c'est vraiment pas encore une fois une map que j'apprécie. C'est vrai que je trouve que les maps dans Destiny voilà, manquent. Ah, c'est pas terrible. Quoi. L'ennemi a capturé la zone C. Bon, du coup. Vous êtes sans tête. J'ai joué à l'éclaireur. J'ai l'impression que ça bataille beaucoup mieux là, alors que ça sert à rien d'être là-dedans, les gars. Putain, pourquoi je vais le jouer lui? L'ennemi a pris la zone B. Ok, excuse-moi. J'aime énormément ce sniper, c'est vous savez le plaisir que je prends à jouer avec. Alors attendez, par contre, je vais faire ça tout de suite les gars. Je change d'un principal, je vais prendre l'impulsion je pense. Alors on va finir avec l'impulsion cette vidéo comme on l'a commencé. Ok, il est avec nous. Oh, il s'est fait défoncer le marteau. Ça joue beaucoup Mindal, j'ai pas envie d'aller là-bas, je sais que je vais mourir, j'ai pas envie de perdre mes balles. Quoi? Je suis pas du tout dedans. Oh, c'est gentil ça la Nova là, vite fait hein, je la vois carrément partir à côté. Putain, gentil hein, franchement. J'aurais bien aimé avoir les deux, bon. À quel moment il prend pas la dernière rafale, elle est carrément sur lui. Oh, c'est ouf quoi. Putain, ça joue trop la connexion dans Destiny, c'est ouf. C'est la connexion, elle est trop prise en compte. Je joue ma vie quand on me tire dessus, j'ai pas envie de perdre mes munitions vertes, je vous jure, c'est un délire. Sympa la grenade. Tu me diras, j'ai les mêmes. Je me plains, j'ai les mêmes. Bon, allez.
Vous avez neutralisé la zone B. Vous avez capturé la zone B. C'est bon. Vous contrôlez toutes les zones. J'aime pas mettre Manova pour un seul mec, mais là j'étais mort. Laissez-la, c'est, on s'en fout. Victoire imminente. Eh, je croyais que j'étais dessus, j'ai visé juste à côté, dommage, dommage. Je voulais enchaîner, je voulais faire un petit enchaînement pour la fin de cette vidéo, j'aurais pas réussi à le faire. Bon bah c'était la dernière partie de cette vidéo, alors je sais pas combien j'ai fait au score. J'ai fait beaucoup de frags au sniper finalement dans cette partie. J'ai très peu joué à la principale, c'est vraiment pas une map que j'affectionne. Hein. Ouais, 10 frags, ouais, c'est vraiment faible. Hein. 10 frags. Enfin bon, 10 frags sans jouer à la méta actuelle, donc ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère vraiment que ces vidéos vous ont plu, on essaiera pourquoi pas de faire mieux la prochaine fois. Je referai une vidéo de ce genre là, je pense, parce que j'aime énormément ce sniper. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Et pourquoi pas proposer des armes que je peux essayer. Alors attention, je suis pas non plus, vous avez bien vu mon niveau, hein, je suis jamais premier de la partie. N'hésitez pas à me proposer des armes et puis on essaiera de se faire ça une autre fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un gros pouce bleu si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt les potes, prenez soin de vous. Tchuss!